It's only right that I glow. Be nice, it's only right that I glow. Tonight, it's only right that I glow. Be nice, it's only right that I glow. Monday, Tuesday, every day we glow. Friday, Saturday, every day we glow. Yeah. Yo les boys and girls, bienvenue sur TVB, nouvelle vidéo, on va couvrir cette année encore comme l'année dernière la Paris Games Week. On va essayer de vous proposer le maximum de vidéos, à commencer aujourd'hui par Detroit Become Human, l'exclusivité PS4. Je suis accompagné de Mathieu et de Gary. Comment ça va les gars? Ça va super, on est super heureux d'être là et il y a des gros jeux donc on va bien s'amuser. Bah super, hein, comme d'hab les gars, grosse ambiance, on est parti pour 3-4 jours de folie, allez. Ouais, ça va être le feu, ça va être le feu. Déjà là on est super excité pour ce premier jeu, un véritable triple A qui en met plein la vue, jeu narratif, on va avoir l'occasion de vous en parler, jeu évidemment développé par Quantic Dream. Les amis, on va tester le jeu, non? Vous êtes impatients là? Ah là, j'en peux plus là. Ouais, allez, on y va tout de suite et c'est parti. You've been gone for 2 weeks, so the place is a mess. You stay there. Don't you dare fucking move. Alice! Daddy's very mad! This is all your fault! He's coming! He's gonna hurt me! Run! Get away! Or he's gonna break you like last time! Waouh, 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 les boys, quel kiff, bordel! C'était dingue. Alors, en fait, on vient de jouer à une séquence qu'on a déjà vue plusieurs fois, qu'on a vu à l'E3, qu'on a vu à la Paris Games Week lors de la première conférence Sony d'il y a 2 ans. Et c'est une séquence également qu'on avait pu vous proposer en vidéo l'année dernière, en tout cas qu'on avait pu voir en vidéo. Et aujourd'hui, on a pu y jouer, tout simplement. C'était complètement énorme. Alors, en fait, quand vous prenez la manette en main, ça n'a plus rien à voir en termes d'impression, c'est vraiment phénoménal. Que ce soit tout simplement les expressions du visage, les animations, les angles de caméra. Tous les trois, on a fait une partie relativement différente, on a eu des choix relativement différents et on va vous expliquer ça tout de suite, tout simplement. Déjà les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé, Mathieu? Ouais, j'ai trouvé ça super bien, super cool. Surtout le principe de récolter les indices pour augmenter le succès. C'était trop bien, ça m'a un peu rappelé Heavy Rain. J'ai adoré. C'est vrai ce que dit Mathieu, que j'ai l'impression avec ce Detroit Become Human que David Cage et Quantic Dream nous proposent finalement un best-of de historiquement tous les jeux Quantic Dream, que ce soit Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond Two Souls. Par exemple, on a vraiment l'impression qu'il y a le meilleur des trois qui est dans ce jeu finalement. Gary, qu'est-ce que t'as pensé de la démo qu'on a essayé? Waouh. Déjà, tout simplement, j'avais pas encore trop vu de séquence. Donc c'était un peu une découverte pour moi, au final j'avais vu rapidement un teaser. C'est bluffant comment, même dans le salon, avec le casque, avec le bruit ambiant, on rentre directement dans le jeu. Je me suis senti vraiment concerné par cette histoire, alors que c'est une séquence que j'ai fait en 5 minutes, parce que j'ai rushé directement. Il nous disait d'aller rapidement, alors que j'ai vu sur les autres séquences qu'on pouvait récolter des indices, prendre notre temps pour avoir d'autres choix de dialogue. Moi j'ai foncé direct, parce que je voulais sauver rapidement. J'ai pas eu les 100% de réussite, hein. J'ai sauvé la petite fille, je me suis suicidé, mais bon, c'est pas grave. J'ai eu les 100%. C'était énorme, franchement. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, je pense. Ouais. Beau, ambiance impeccable, franchement, ça donne des sueurs froides pendant les dialogues avec les choix au QTE. Vraiment, super bonne ambiance et franchement, ils ont bien réussi le truc. Pour une démo de 5 minutes, c'est ouf, on est vraiment dans l'ambiance. Donc j'ai hâte de voir le jeu en entier, on va être bluffé. Comme je dis, c'est une séquence qu'on a déjà vue, petite remise en contexte. C'est la séquence avec Connor, donc le négociateur, qui vient tenter de sauver la prise d'otage. Et donc on va parler un petit peu des choix qu'on a fait, parce que finalement, on a eu une fin différente. Donc voilà, j'ai réussi à aller à 100% de la négociation. Donc elle a abouti à 100% et j'ai réussi à libérer l'otage. Et on a sacrifié, donc en tout cas, on a tué, neutralisé l'androïde qui était perturbateur. C'est certainement une séquence du début du jeu.
finalement, qui me rappelle un peu l'histoire de iRobot, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un robot qui se rebelle, un androïde en tout cas qui se rebelle, et tout va partir de là. Quel choix vous avez fait, les gars, et comment ça s'est terminé pour vous? Ah. Bah moi, je suis un peu dégoûté parce que j'ai pris le parti de récolter un maximum d'indices sur le preneur d'otage, sur l'otage, sur la situation. Et du coup, j'étais près de 100%. Et j'ai quand même pas réussi à sauver mon androïde parce que sur le dialogue final, j'ai fait des mauvais choix. Et voilà, j'ai pas réussi à pousser la confiance jusqu'au bout. J'ai fait un mauvais choix et il a sauté et j'ai sauté aussi. Mais finalement, c'est assez subtil parce que on n'est jamais trop sûr de nos choix, ce qu'ils vont amener. C'est les choix presque humains. À chaque moment, par exemple, premier choix qu'on nous propose avec l'Android Connor, c'est de sauver ou pas un poisson. C'est-à-dire qu'on commence direct par les choix humains. Il faut être assez rapide dans l'esprit. Quel choix t'as fait, toi, Gary? Moi, déjà, je suis arrivé. J'ai vu qu'on pouvait récolter des indices, mais tout de suite, on m'a dit ouais, il faut aller vite. Plus tu laisses passer du temps, moins ta chance de réussite diminue. Je sais plus ce que je dis. Et du coup, j'ai foncé directement pour essayer de le sauver. Ouais. Pour essayer de sauver l'Android et la gamine, hein, les deux, si possible. Et j'ai réussi à m'approcher doucement. Les chances de réussite montaient donc petit à petit. Mais arrivé devant, j'ai une séquence de QTE assez rapide où mon Android, donc Connor, saute pour essayer de sauver la gamine. Il arrive à la sauver, mais il se suicide. Il tombe dans le vide avec donc Daniel, l'Android. Une fin pas vraiment satisfaisante, mais au moins on a sauvé l'enfant. Voilà. C'était tout simplement un énorme kiff. Et d'ailleurs, Oscar, qui est en train de nous filmer actuellement, lui a tenté la version on rush. Il a terminé à 0%. Et alors, la fin tragique, et c'était assez horrible, assez poignant d'ailleurs, parce qu'en fait, l'Android qui prenait la petite en otage s'est jeté dans le vide avec la petite. Et donc, la petite, et ben voilà, on sait ce qui se passait. Mais c'est horrible vraiment. Mais comme quoi, ce jeu, par exemple, tous les personnages peuvent mourir dans le jeu, tous les héros principaux peuvent mourir. Ça aussi, c'est une des forces du jeu parce que finalement, il y a une fin, une possibilité de choix, une possibilité d'embranchement dingue. Pour conclure, donc, en termes de choix, on a vu qu'il y a déjà rien que sur une petite séquence courte. J'ai mis 5 minutes, Mathieu a mis 10 minutes, et toi à peu près 5 minutes aussi, Gary? Ouais, à peu près 5 minutes, pas plus. Sur le plan visuel, c'est complètement fou. Ça met une grosse claque graphique. Les visages sont totalement fous, les expressions passent tellement bien. Vraiment, c'est vraiment cinématographique pour le coup comme jeu et on a plein d'émotions. Vraiment, Franchement, Gary, moi ce qui m'a bluffé c'est les effets de particules quand on est dehors avec l'hélicoptère, la piscine qui envoie des gouttes d'eau, etc. Ouais. C'est magnifique. La pluie balayée aussi. Après, est-ce que ça tournait réellement sur PS4 Pro? Ah, je sais pas. Alors c'est vrai que ça c'était présenté sur PS4 Pro. Mais on n'avait pas accès au menu de la PlayStation, par exemple. Et les PS4 Pro ne semblaient pas allumés, tu vois. Donc bon. C'est bizarre aussi, le setup est peut-être pas optimal aussi pour se rendre compte des graphismes, genre par exemple sur les particules, comme tu dis. Mais après, ouais, avoir la manette en main quand on l'aura chez nous. Mais on n'a pas de date de sortie, on est un petit peu déçus. On sait simplement que le jeu va sortir début d'année 2018, donc ça arrive rapidement. Franchement, les gars, on l'attend avec impatience, non? Là, ouais, la grosse hype. En plus, bizarrement, c'est un stand où il n'y avait pas tant de gens que ça. Donc, franchement, les gars, foncez. Meilleur jeu pour le moment, pour moi, du salon. En même temps, premier jeu. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'oublier pour l'instant pour pas trop m'impatienter. Voilà. Et donc, voilà, on termine là-dessus donc pour ce petit test en fait sur PS4 Pro. Donc, Detroit Become Human qui sort, donc, je vous l'ai dit, début 2018. On a hâte d'y jouer, ça va être exceptionnel. Et voilà, tout simplement, jetez-vous dessus, on vous le conseille. C'est, à mon avis, une très, très grosse exclue pour l'année 2018 pour la PlayStation. Et bien voilà, tout simplement, on vous prépare d'autres vidéos sur la Paris Games Week. Tout va bien et pourrait bien être pire. Peace!